Mercredi 4 août 2021, frères et sœurs, une autre fois, nous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ. L'Éternel permet, nous venions encore, nous rencontrer dans le même rendez-vous pour le même travail là. Pour qu'on ait, nous ne pouvons pas commencer sans la prière. Et surtout, nous gagnons quelques. Et l'autre, nous voulons augmenter notre travail là. On dit l'Éternel, merci pour ça. Cher Seigneur, notre bon sauveur, nous n'avons pas besoin de rendre gloire et honneur à nous, parce que grâce au dépassé, cher Seigneur, grâce au arrivé dans un niveau que l'homme n'est pas capable de comprendre. Et ça fait nous-mêmes, cher Seigneur, nous voulons chaque jour croire plus dans la route Dieu Tout-Puissant, demander plus de secours, permettre nous plus de bon côté. Penché beaucoup tôt, mais frère Boubé, nous l'avons dans moi avec toute famille dans le moment ça, cher Seigneur. Et nous m'en répondre grâce dans la vie, cher papa, parce qu'on est capable. Non, nous l'avons dans mon Dieu, nous avons fait un annonce au service. Nous l'avons le groupe se bat, ça, Bios, dans mon. Et nous l'avons dans le moment ça, cher Seigneur. Et c'est Valérie, c'est Emmanuel, c'est Inni, Inna. C'est Enid également, frère Eliso, et c'est Eliso, c'est Eliné. Nous l'avons tout et ça, on a mon Dieu tout puissant dans l'occasion ça. Et nous l'avons frère, c'est Esdris, c'est Merville, et Lunza Flo, c'est Merville. Nous l'avons dans mon c'est Josette, c'est Sophika, et frère Wilfen, Richelieu, nous l'avons dans mon. Et nous l'avons dit, frère Moïse Ramosik, et frère Isse Luider, frère Isse Edi, et frère Isse Toussaint, nous l'avons dit, nous également l'Éternel, frère Isse Jules Miss, et frère Isse Février, frère Richemont, frère Héribert, frère Isse frère Fiel Edmond. Nous l'avons dit mon frère et sœur Nipson Antoine, sœur Christana. Vous connaissez mon ça, nous pas capacité frère, sœur Pasteur Dadiana et Anilu, sœur Lovely, sœur Marjorie, sœur Ebermania. Vous connaissez difficulté au cher Seigneur, nous m'en devons passer, mais on résout problème ça, tout ça qui est un problème. Pasteur Daniel, Dieu donné, cher Seigneur. Nous l'avons dit dans mon Dieu Tout-Puissant, nous l'avons fait Kishnol, nous l'avons tout frères et sœurs, toutes les branches Parmélis, toutes les branches Joseph, toutes les branches Altidor, toutes les branches Louis, toutes les branches Louis Charles, toutes les branches Charles. Nous l'avons tout cher Seigneur, tous les dirigeants des églises, cher Seigneur. Nous demandons chaque jour l'Éternel, Papa, dans l'imperfection, nous toujours fait intervention, l'Éternel, pour permettre le travail à la fête, selon sauve l'Éternel. Nous l'avons frère, c'est Dieu seul dans la famille gentille. Nous l'avons tout dans mon, c'est Daphné. Et dans mon l'Éternel, c'est Kitli. Tout dans mon, c'est toute équipe là, nous ne pouvons pas citer. Mais tout dans mon, merci pour grâce, merci pour amour. Chers amis, chers frères et sœurs, nous rencontrons encore. D'ailleurs, nous devons rencontrer. Depuis nous là, dans le travail là, faut nous rencontrer. Faut nous discuter, faut que nous dialoguer. Nous sommes dans Zacharie chapitre 5 là. Oui, c'est dans Zacharie chapitre 5 là. Pas oublier de ça, Zacharie n'a pas un gros chapitre là dedans. Son série de chapitres tout zoulet. Et qui n'a pas quoi gagner dans chapitre qui vient dans 32 versets. Et c'est une question de 11, 12, 13, 14 versets comme ça. Alors. Et ça qui est un peu important, à nous garder pour nous, ouais, ça nous te gagné dans chapitre 5 là, verset 5 arrivé jusque dans verset 11 là, qui c'est dernier verset là. Alors, notez li oui, et hier, nous reprenons lecture. À nous reprenons lecture, vous comprenez? Et parce que faut que nous prenons ça nous. L'ange qui me parlait s'est avancé et m'a dit: lève les yeux et regarde ce qui sort là. J'ai répondu: qu'est-ce que c'est? Il m'a répondu: c'est la mesure à grains qui sort. Il a ajouté: c'est l'objet de leur regard dans tout le pays.
disque en plomb a été soulevé et il y avait une femme assise au milieu de cette mesure. L'ange a dit, c'est la méchanceté. Il l'a repoussée dans la mesure et a jeté le disque en plomb sur l'ouverture. Je levai les yeux et vu deux femmes apparaître. Le vent soufflait dans leurs ailes. Elles avaient des ailes comme celles de la cigogne. Elles ont soulevé la mesure entre la terre et le ciel. J'ai dit à l'ange qui me parlait, où emportait-elle la mesure à grain? Il m'a répondu, elles vont lui construire une maison dans le pays des Sinaï. Quand elle sera prête, elle sera déposée là sur sa base. Chers amis, pas oublier depuis nous commençons dans Zacharia, nous remarquons que Zacharia c'est avec une série de langages cachés le venu. Ça, je pense que tout le monde comprend ça. Zacharia n'a pas venu avec langage clair, non? C'est un paquet de langage caché, figure obscure et ses explications pour nous baou là d'ailleurs. Dans la vision ça, et que l'Éternel révélé à Zacharia, lui montrer la dernière, et l'ange là qui t'a parlé à Zacharie, lui avancé et lui dit, levez au gade, ça cap sorti là. Zacharie dit, li levé je, li on bagay, li pa kon sa, li dit, li mande ki sa sa e. Ange la répond, li dit, c'est la mesure à grain qui sort. Sa wap gade a la, c'est une mesure à grain. Et il a ajouté, c'est l'objet de leur regard dans tout le pays. Ça veut dire, c'est ça, sa wapre la, c'est ça, c'est sous sa je, tout le monde fixé dans le pays a. Et même tantôt de garder les 10 aplombs qui soulevaient et gon femme les 10 aplombs soulevaient de garder les femme qui chita au milieu mesure là. L'ange l'a dit, c'est la méchanceté, oui. Hein? Et l'ange l'a repoussé et d'amenant dans mesure aplomb et lui jeté 10 aplombs sous ouverture là. En font ti campé là. Alors ça vous voulez dire là parce que tout ça m'a plié là, moi sûr que moi l'île moi mettez la créole ou pas pour grand bagaille la donne si m'pa venir pour m'expliquer lui. Premièrement et ça ou moi l'esprit ou ta wè un petit bagaille la donne c'est question et ça et ange la mesure à grain que serviteur, l'ange l'a dit, c'est la méchanceté. C'est la méchanceté. Donc, les nous gardons, yo dit non, dans le texte biblique là, que femme nan, et nan mesure à grain, personnifie la méchanceté. Donc, ça c'est méchanceté. Vision méchanceté, ya, c'est un bagage qui non seulement sévèrement qui a puni, mais encore, femme nan qui gen mesure à plomb nan menan, l'Éternel a pe chassé la en Israël. Et, non te wè nan texte la, li dit que, Zakari m'a dit, mais l'el chassé la, qui côté la pe voyil la? Parce que, si m'ta pran piwo, nap wè, et l'ité repoussé femme nan nan mesure aplomb elle jetait 10 là sur l'ouverture. Les Zacharie dit li gade loué deux femmes paraît yon et poussé zèle li soufflé alors li soufflé nan zèle yo li gen des ailes comme même j'ai avec zèle cigogne et yo soulever mesure entre la terre et le ciel. Ça veut dire si on parle mieux soulever mesure là entre la terre et le ciel, ça t'apprend à faire me comprendre que mesure yo pas quitter là. Mesure côté au terre mesure qui symbolise la méchanceté, l'Éternel pral retirer.
Raison, c'est parce que l'Éternel pral purifier pays là. Oui, c'est ça. Il pral purifier pays là. Mais Zachary, dans curiosité, il t'a posé question. Et Zachary a cherché qu'on est. L'ex Zachary m'a dit, mais qui côté il pral avec mes yeux, appelons ça. L'ange la répond, lui dit, et elles vont lui construire une maison dans le pays de Chinéa. Alors, là, on parle dans le pays de Chinéa, qui côté est là? C'était exactement à Babylone. À Babylone. Ça veut dire, bassin de méchanceté, que l'Éternel permette Zacharie, ange la table, l'explication, son bassin de méchanceté, finalement, cap sorti en Israël qui était en subi en pile action pour saleté fait qu'il pas doué fait et qu'on y a envahisseur qui c'était Babylone bassin méchanceté a pral là pour l'écraser. Parce que Paul l'a montré là que et suivant ça nous est dans texte là et femme nan chassé. Et il prend direction pour la construire un kay dans Chinéa. Et l'ordre dans Chinéa, c'est à Babylone. Si je regarde bien, les dit femme qui est amenée à Babylone. Son région qui est en pile idole, en pile méchanceté et à travers le monde. Mon Dieu t'a montré Zacharie que méchanceté et péché a exclu, a disparaître en Israël. Et un jour, tout mal a éliminé. Pas bien ça encore. Et Jésus-Christ, par sa mort, pour aller venir pour triompher puissance li, et sous péché, désormais, pas pour aller ça encore. Frères et sœurs, gardez juste côté Napoli avant là, où est figure que moi m'a voir nos jeunes là, son figure qui pourrait montrer que Jésus-Christ, très important, oui, pourrait montrer que figure noire là, figure méchanceté qui a sauté là, figure méchanceté qui a déplacé là, etc. Ça, c'est le symbole de Jésus-Christ et qui a venu Jésus-Christ là qui était venu pour prendre naissance. Et l'elfine prend naissance là, l'a venu rétablir la paix à travers le monde. Normalement, frères et sœurs, sa prophétie non la donne kounia là. Vous comprenez que vous ne comprenez pas trop facile, non, c'est au fur et à mesure, surtout les gens qui ont posé des questions, m'a aidé à comprendre. Question, aidé à comprendre au fur et à mesure, parce que dans Zacharia, il y a pile figure cachée là-dedans. Mais figure cachée, c'est tical patical pour me permettre de comprendre figure cachée. Eh bien, là, c'est pas un bagage. Même là, si de façon physique, Israël te tourne la Kaeli, mais de façon spirituelle, frères et sœurs, ça cap dit là, c'est bagage qui a un rapport à l'époque apocalypse. C'est bagage qui a un rapport à dernier temps. Lorsque l'église pourra l'enlever, lorsque le peuple juif la pape sous la terre encore, lorsque tout le monde qui a accepté Jésus y a récupéré auprès de Dieu, à cette occasion, la terre lui-même et l'Éternel pourra restaurer la terre pour le millénium, comme nous connaissons ça déjà, et après quoi, la terre pourra le frapper Gog et Magog dans tous les coins du monde. Donc c'est là. Et là, figure méchanceté qui a pu parler à là pour arriver. Parce que là, on parle non là, dans verset 9 là, il dit que il y a deux femmes qui paraissent et vont souffler dans zèle femme. Et femme yo gen zèle même avec Sigoy. Femme yo parti avec mesure entre la terre et le ciel. Qui côté ou pral déposer mes yeux juste à Babylone? Non lié à Babylone, c'est là femme yo pral déposer. Ça veut dire l'Éternel a retiré méchanceté et figure Babylone là, frères et sœurs, c'est figure l'idolâtrie liée.
Oui, faut qu'on ça, oui. C'est côté base idolâtrie, mais c'est là méchanceté à braler. Et s'ouvre les mbayon l'autre interprétation pour vous. L'Éternel finit avec toute chose. Figure Babylone, c'est la figure de l'enfer. C'est la figure de l'enfer, côté que l'humanité pral payer ça ou te fait. D'ailleurs, nous voulons bien comprendre. Et dans pile monde, qui symbolisait Babylone à un secteur religieux très méchant, non pas dit ou pas qu'à symboliser, mais côté nous est là, les plus que ça. Les plus que ça, si vous permettez, moi dit comme ça. Alors, Babylone, c'est la figure de la femme, la figure de la méchanceté, la figure des crimes et l'Éternel. Pour aller retirer crime méchanceté nan mitan peuple ya nan mitan moun k'ap servi yo pour voyer méchanceté yo côté pour moun qui te travaille pour ça yo pour y aller payer ça en occurrence en d'autres termes non capable dit dans l'enfer. Frères et sœurs, n'a pas abordé chapitre 6 là. Non nan Zacharie 6 et non pour aller et anon li kèk verset la dan. J'ai de nouveau levé les yeux et j'ai vu quatre chars sortir d'entre deux montagnes. Les montagnes étaient en bronze. Au premier char était attelé des chevaux roux. Au deuxième char et au deuxième des chevaux noirs. Au troisième des chevaux blancs et au quatrième des chevaux bruns tachelés. J'ai pris la parole et dit à l'ange qui me parlait, qu'est-ce que c'est, mon Seigneur? L'ange m'a répondu, ce sont les quatre vents du ciel. Ils sortent de l'endroit où ils se tenaient devant le Seigneur de toute la terre. N'a campé là. Frères et sœurs, si même j'aimerais lire là, ou même t'as prêté attention, bibou tout ouvert dans mon, ou qui ne doit pas comprendre rien dans ce qu'a dit là. En même temps, dis-moi même tout, je ne dois pas comprendre rien à ça, mais nous pourrons alimenter sur ça pour nous comprendre ce qu'a dit là. Léo pas nos figures, vision des chars là, Léo pas les noms, frères et sœurs de quatre chariots, qui gagnent cavalier. Première vision, il représentait les quatre anges du jugement de Dieu sur la terre. Ça veut dire, côté nous et là, t'as qu'au jamais te dit ou, dans fin chapitre 5 là, nous à époque apocalyptique. Ça c'est ça, sous des chars, il y a pas l'eau des cavaliers, il doit représenter quatre anges du jugement de Dieu sur la terre. Ah non, là, nous en phase côté que la terre, pour aller vivre, là, pour le payer, ça le fait en tout bon. Tout bon, parce que tout ça, on apprend qu'on y est sous la terre là, tout bas, on apprend qu'on y est, mais c'est un petit bagage petit, vous voyez, mais gros morceau pour arriver, et nous pour aller tomber dans grand fléau, à nous là, c'est pas petit bagage. Alors, vous dites non, non, songez, dans l'étude, vous te dit non, et premier char, c'était, vous te bah, différentes couleurs dans le cheval, ah, mais nous pourrons essayer ouais, qui ça chaque symbolisé. Char noir, yo parti pour exercer le jugement de l'Éternel dans les régions nord. Frères et sœurs, pas oublier, expression ça m'bral dia, m'vle non kembel en tête non, et m'a banon tout compartiment. Là, on parle non de région nord, là, on parle non de région sud. Faut que nous retenions. Là, on parle de région nord, c'est tout côté qui est grand, nègre, gros pays riche, il y a le pays nord. Il y a tout pays septentrion. Et là, on parle de pays sud, il y a parler tout équipe pays pauvre, qui est le pays méridional. Alors, si nous entendons et nous connaissons dans le jugement l'Éternel, l'Éternel pas de figue grâce, mnadan. Si nous entendons que cheval noir parti pour exercer le jugement, bon Dieu, dans nord, il faut nous chercher qu'on est pour qui ça. L'Éternel, c'est que l'Éternel
gen kè plein contre trop crime, contre trop mauvais bagaille qu'a fait dans pays riche, trop méchanceté qu'a fait la dan, frères et sœurs, et que finalement colère l'Éternel démarrer car nous connaît l'Éternel et voulait bagaille qui bon, l'Éternel pas voulait bagaille qui mal. Les méchancetés a fait et feront du vérité à Hania, frères et sœurs. Non connaît ça, non connaît que l'homme et gros pays ça yo presque tout mauvais bagaille qu'a fait sous la terre, mais yo la donne, mais yo la donne, yo bay possibilité pour yo fait, yo bay moyen nécessaire pour yo fait un jugement l'Éternel sur yo. Et non doué comme ça, oui. Bon, non tant de mon a parlé, yo même parlé que mon Dieu c'est Dieu d'amour, oui, du Dieu d'amour, li fait grâce, li fait miséricorde, tout gens nous t'avle dit là. Mais tout frères et sœurs, faut que nous connaît tout, l'Éternel les non agit mal tout, celui son Dieu juste et bon, qu'elle agit pour nous tout. Di pap ka gen égé pour la garder n'a fait bagaille qui pas bon yo, n'a fait mauvais bagaille, n'a pe et pratiquer mauvaise habitude, non pas gen pardon pour l'autre yo, les fini pour nous là pour nous besoin l'Éternel pardonner non. Amen. L'Éternel va pardonner au monde c'est le reconnaître tort. Laisse avoir une grâce dans l'Éternel. Mais leur persister dans mal là, m'pas cacher des li non, c'est inévitablement au bras tomber sous jugement l'Éternel. Alors, tout côté nous est la terre à marcher là. Non, vous comprendre ça n'a pas bien. Tout côté où est la terre à marcher là, toute direction où est la terre à faire là, la terre à marcher droite vers les grands jugements de Dieu pour ne pas dire le jugement du dernier temps. Parce que n'a pas une série de moun qui ont des messages, des témoignages qui a bail pour montrer que c'est l'Éternel qui Dieu, mais c'est eux-mêmes qui représentaient les plus grands éléments du monde pour faire propager le crime, pour faire propager la méchanceté, pour faire propager l'immoralité, pour faire propager lesbianisme, pour faire propager l'homosexuel à travers le monde, frères et sœurs. Alors, les nous comprenons que nous fait toute crime, toute méchanceté, toute bagaille que la Bible oppose avec nous, nous fait yo, ah non, nous pas qu'à mettre dans la tête, non, que bagaille a prête comme ça. Frères et sœurs, les arrivés, nous tournons demain si Dieu veut. C'est toujours 41, 20, 74, 33, 36, 76, 58, 73, que l'Éternel, le Dieu d'amour, était avec vous et permet de comprendre la parole pour marcher de progrès en progrès.